lumière qui est obsécrète ici. Quelque chose de blanc, c'est vrai, jamais rien de concret. On va y en avoir un secret de la loi qui va passer sur l'interdiction de vendre des cigarettes au Canada. Je pense pas. Ah, puis il y a un peu plus d'enregistrement. Là, dis-moi que me fasse sauter le parlement. Je pense que c'est une preuve convaincante. Ça peut faire peur, mais je pense pas que c'est une preuve que le patron va accepter, là, ça. Non, mais laisse ça, parce que ça, il va s'en rendre compte la dimanche qu'on l'a volé. Tandis que tout, il s'en doutera jamais. Tu penses, ça? Oh oui, laisse ça sur le veston d'herbe. Je te dis, j'avais de tout que ça devrait aller. Non, je te fais confiance. Et attends, on se sort d'ici. Bonjour, un bon chandail. Ah, ah ouais, tu fais du meilleur que de l'avoir, pour nous, c'est la sergente des Canards. Ben voyons. C'est qui ces deux smarts là? Oui, oui. Je pense que ça se passe pas bien ici. On va se dépêcher. On va aller dans la cassette plus vite que le début. The final countdown. Bonjour patron. Bonjour patron. Bonjour, est-ce que vous avez du nouveau? On s'est rendu au local de l'agent et on a découvert qu'il enquêtait sur Vladimir. Vladimir, celui qui possède la moitié des usines de cigarettes au Canada. Donc on s'est rendu à son bureau et voilà ce qu'on a découvert. Une poupée qui dit de façon claire et précise qu'il veut faire exploser le Parlement. Voyons, une poupée. J'aime ma maman. Essaye encore. Non, ça fonctionnait. C'est pas ce qu'elle avait dit la première. Je suis un chaton. Écoutez, là, c'est... Non, une dernière chance. Non, mais vous perdez votre temps. Non. Ça fonctionnait du premier coup. Sûrement qu'il y a j'ai peur dans le noir. Écoutez, non, j'en ai assez. Vous êtes congédié. Voilà. Ça fait... Je lui avais dit de prendre le dossier top secret aussi. Ben oui, mais elle le disait, tu l'as entendu. Ben oui, je sais. Ça va faire. Vous êtes congédié, un point c'est tout, tous les deux. Ça fait deux enquêtes que je vous donne et aucune n'a été réalisée. La première sur le contrebandier d'explosifs et la deuxième sur le dossier d'agent Jacques. J'aurais dû donner le dossier à Avrel et William, car eux prennent des risques. Let's go, mon Avrel. Oh, 9. Attends. Ah, mon petit bonhomme. À chaque fois. Curie Avrel, hein? Bon. Ça revient pas que tu m'as pas supporté là-dessus. Fuck that, man! Avec tes maudites idées de prendre ton petit chien niaiseux. T'es pas niaiseux, la dossier, il s'en aurait douté. Ok. On avait tiré, ça marchait. Je sais bien, mais là, on a même plus de job. Bravo, Siri. Je pensais jamais en venir là avec toi. Mais je veux plus jamais te voir de ma vie. Moi non plus. De toute façon, je travaille mieux tout seul que toi, Jack.